بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون
ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis très honoré de me retrouver avec vous à travers ce live, ce nouveau live pour cette nouvelle année 2021-2022. Et comme d'habitude, Inch'Allah, chaque vendredi, nous aurons notre live hebdomadaire avec toujours le même format, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la reprise de cette année s'est déroulée dans les meilleurs augures, Inch'Allah. Le rappel par lequel je souhaiterais commencer, je voudrais partir de deux versets coraniques divins. Le premier verset se trouve dans la sourate Taha. Le deuxième dans la sourate Al-Isra, la sourate Le Voyage Nocturne. Dans la sourate Taha, le Seigneur dit « Qur Rabbi wa Qur Rabbi zidni ilma »« Ô Seigneur, accrois mes connaissances ». Et dans la sourate Al-Isra, la sourate Le Voyage Nocturne, le Très-Haut dit dans celui-ci « Umma utitum min al-ilmi illa qalila »« Vous n'avez eu de connaissances que très peu ». J'ai choisi de commencer ce petit rappel par ces deux versets, alors que nous sommes au début d'une nouvelle année scolaire, académique, après le retour des vacances, pour rappeler un élément fondamental, notre leitmotiv à nous en tant que musulmans, c'est la recherche de la connaissance, l'instruction, l'éducation et notre cheminement spirituel qui doit être le nôtre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le musulman, le croyant, se doit d'être un apprenant permanent. On doit toujours apprendre. Apprendre n'a pas d'âge. Apprendre n'a pas d'âge. C'est pour cette raison qu'il est impératif pour nous, avec le début de cette année et le retour des vacances ou la période post-vacances, de nous organiser, Inch'Allah, pour avoir un programme pendant l'année de lecture, un programme de formation, un programme de cours. Même si l'un d'entre nous travaille à une occupation professionnelle, rien n'empêche de continuer à apprendre, à s'améliorer, que ce soit dans son domaine ou à découvrir un autre. Ne jamais accepter la situation de stagnation. Et malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent, où des frères et sœurs, lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, n'ouvrent plus un livre ou une page d'un magazine. Que ce soit dans leur domaine à eux de spécialisation ou dans un autre domaine. Nous devons continuer, nous devons rechercher absolument cette connaissance utile. La connaissance utile, elle n'est pas seulement religieuse, elle est profane. Tout ce qui peut m'instruire, me nourrir, tout ce qui peut aussi m'aider à connaître mieux mon Créateur, tout ce qui peut m'aider à être une personne utile, dans son environnement, que ce soit la famille, que ce soit la société, ce savoir utile, nous devons absolument le rechercher. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait protection et refuge auprès de Dieu contre l'ilm alladhi la yanfa, le savoir qui n'est pas profitable. Le savoir qui n'est pas profitable a deux significations. La première signification, c'est que son contenu n'est pas profitable. Il peut même être nuisible pour celui qui l'a acquis dans cette vie, dans l'autre. Ou alors, ce savoir, l'autre explication, c'est que ce savoir, l'ilm alladhi la yanfa, ce savoir qui n'est pas profitable, peut également signifier que le savoir au niveau de son contenu est utile, mais son utilisation, elle n'est pas correcte. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'ostentation, ou alors parce qu'il y a la recherche de la gloire, où on veut écraser les autres, ou d'autres intentions, ou d'autres motivations, ou d'autres utilisations qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas correctes ni spirituelles.
Autrement dit, elles sont contre-productives. Là, nous serons également dans le schéma d'un savoir qui n'est pas utile. Dans le deuxième verset, le Seigneur dit « وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Vous n'avez eu de connaissances ou de sciences que très peu. Ça, c'est très important de savoir que au plus que nous apprenons, au plus que nous en venons à l'évidence que nous ne connaissons pas grand-chose. Il y avait un savant, c'est un tabi'i, c'est un suiveur, donc la génération après les compagnons, qui disait que le savoir est de trois empans. Thalathatu ashbar. Il dit, celui qui apprend le premier empan qui réussit à acquérir et à apprendre ce premier empan ou cette première partie, l'imam Shahbi dit que cette personne-là déjà se montre quelque peu hautaine. Élève la tête de haut. Lorsqu'elle arrive au deuxième empan de ce savoir, elle voit que les choses, en fait, se compliquent. Les choses deviennent quelque peu corsées. Elle voit que le savoir, quel que soit son domaine, est quelque chose de très complexe, très nuancé, très coloré, quelquefois, dans certaines questions et certains éléments et certains énoncés de ce savoir. Et c'est là qu'elle prend conscience qu'elle a intérêt à faire preuve d'humilité et de modestie. Puis l'imam Shahbi, rahimahullah, termine son propos en disant que pour ce qui est de la troisième partie du savoir, ben, qui peut le connaître? Guère à cette personne, guère à elle de prétendre de pouvoir l'atteindre. Cette parole, elle est très sage de la part de ce savant de l'islam, de ce juriste musulman, l'imam Shahbi, qui est originaire d'Irak. Elle est sage parce qu'elle nous apprend toujours que, quoi que nous apprenions, nous n'en serions jamais suffisamment. Donc on ne peut pas se mettre dans le savoir, on ne peut en aucun cas s'inscrire dans la dimension et la sphère de l'autosuffisance. Il n'y a pas d'autosuffisance dans le savoir. Et c'est pour ça que le Seigneur apprend à son messager, « Ô Seigneur, accrois mon savoir ». Le verset qui se trouve, je le rappelle, dans la sourate Taha. En résumé, mes chers frères et sœurs, pour clore ce rappel, Inch'Allah Ta'ala, il revient, Inch'Allah, chacun d'entre nous, sachant que notre séjour ici-bas est court, quel que soit le nombre d'années que nous passons, il nous revient à nous de mettre à profit ces jours, ces heures, ces jours, ces semaines, ces mois et ces années qui nous sont offertes. Et de se rappeler que la vie ne nous appartient pas. Tout comme la santé, tout comme l'aisance financière non plus. Tout peut s'effacer, tout peut disparaître du jour au lendemain. Ce qui signifie que nous devons toujours profiter de l'instant présent. Nous devons profiter de l'instant présent. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment ou de l'instant présent ». Donc il faut profiter de ce qu'il y a maintenant, de ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Ce dont peut-être demain ou dans 5 ou 10 ans, je ne serai plus capable de le faire. Donc je profite maintenant. Je me rappelle d'un papa qui aujourd'hui est décédé, rahimahullah. Il avait un cancer à la fin de ses jours. Je me souviens lorsque je lui avais rendu visite pratiquement 2 mois avant son décès, il me disait, oui, Inch'Allah, quand je sortirai de l'hôpital et que j'irai un peu mieux, je vais m'inscrire pour suivre des cours d'arabe. En fait, apprendre l'arabe était un rêve qui le caressait depuis très longtemps. Mais les aléas de la vie, malheureusement, prennent souvent le dessus. Quelquefois l'insouciance, et les années passent, s'écoulent, il voit que son rêve d'apprendre l'arabe fusha, donc l'arabe classique, littéraire, ce rêve n'a pas été réalisé, et il voit que sa santé se fragilise de plus en plus, il se dit, ben, je vais quand même essayer d'apprendre l'arabe, au moins j'aurai appris ça avant de partir, d'avoir quitté ce monde. Malheureusement, cette envie ou ce projet ou ce désir que nourrissait ce papa, ce frère, rahimahullah, il ne l'a pas atteint. Parce que sur ce délai
écoulé, sa santé s'est très vite dégradée, et puis, rahimallah, il est décédé parmi les siens. Et c'est une grande leçon, son histoire est une très grande leçon. C'est un papa qui aurait souhaité retrouver sa santé d'antan, ou du moins une partie de sa santé, pour enfin réaliser l'un de ses rêves et l'un de ses objectifs et projets de vie, qui était d'apprendre l'arabe. Mais les années sont écoulées, il n'a peut-être pas pris le temps, ou peut-être il avait des raisons qui ne lui ont pas permis de se lancer dans ce projet, et au moment où il voulait le faire, c'était quelque part déjà trop tard. Donc tout ça pour dire, mes chers frères et sœurs, que nous devons profiter absolument de l'instant présent, de tout mettre en œuvre, Inch'Allah, pour continuer à se nourrir. Parce que le savoir est l'un des moyens ou des facteurs d'émancipation. La personne s'émancipe par le savoir, s'élève, elle mûrit, elle grandit grâce à la connaissance, à la condition qu'elle utilise sciemment et correctement cette connaissance, pas pour se faire prévaloir devant les gens ou pour marquer un signe d'orgueil, non. On garde l'humilité, on garde ce cap et on demande à notre Seigneur, comme il l'a appris à son messager Mohammed sallam, au Seigneur, accrois-moi au savoir. Et juste ce dua, cette invocation, il inclut en lui un sens de modestie, d'humilité. Ça signifie que je n'en connais jamais suffisamment. Et cette même invocation coranique, enseignée par Dieu au prophète Mohammed sallam, a aussi pour avantage, mes chers frères et sœurs, il a aussi pour avantage de refuser l'autosuffisance dans le savoir. Il y a deux choses que nous devons absolument refuser dans notre cheminement qui nous conduit à apprendre, à s'instruire. Nous devons refuser l'autosuffisance, de se dire c'est bon, j'ai appris ce que j'avais appris, je n'ai plus besoin d'apprendre. Et deuxièmement, refuser l'ignorance. Et les deux sont étroitement liés. La personne qui s'inscrit dans l'autosuffisance est une personne qui accepte l'ignorance. L'ignorance de ce qu'elle ne sait pas. L'ignorance de ce qu'elle aurait pu apprendre, mais qu'elle ne veut pas. Il faut vraiment travailler sur ce vecteur-là, Inch'Allah ta'ala, et ça permettra aussi à notre communauté musulmane de s'élever, de s'émanciper, et d'être capable de répondre avec intelligence à tous les défis, quels qu'ils soient, qui l'attendent, qui nous attendent, et qui sont très nombreux. Voilà pour ce qui est du rappel, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire exceptionnellement de questions du jour. J'ai voulu la faire un peu assez soft, assez souple aujourd'hui. Nous allons directement enchaîner sur les questions. Et Inch'Allah, au prochain live, nous reviendrons sur notre schéma classique qui est un rappel, une question du jour. Et puis, nous irons directement sur les questions auxquelles nous répondrons. Alors, j'aurai aujourd'hui 10 questions à vous soumettre et pour lesquelles je formulerai une réponse pour chacune d'entre elles. La première question, un parent n'a pas sacrifié pour son enfant à sa naissance. Que doit-il faire? La question qui se pose ici, pourquoi ce parent n'a-t-il pas sacrifié pour son enfant, sachant que le sacrifice de la aqiqa est une sunna mu'akkada, c'est une tradition prophétique fortement recommandée. On revient à la question essentielle, pourquoi n'a-t-il pas pu sacrifier pour son enfant? Ne l'a-t-il pas fait parce qu'il n'avait pas les moyens? Dans ce cas, il est excusé parce que cette sunna mu'akkada, elle est tributaire de la capacité financière de la personne. Ça, c'est un point. Ou alors avait-elle les moyens, mais par négligence, par oubli, elle ne l'a pas faite. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où une personne arrive à une situation où elle est capable de sacrifier pour son enfant, même plusieurs mois, même plusieurs années avant, après la naissance de l'enfant, l'idéal c'est de sacrifier pour cet enfant. Ça reste un droit qui lui revient, même si ce n'est pas une obligation religieuse stricte, mais c'est une sunna qui est fortement recommandée. On sait très bien que dans le droit musulman, lorsqu'on parle de sunna mu'akkada, la sunna mu'akkada est presque très proche, elle est limitrophe et à la frontière de l'obligatoire, mais sans l'être pour autant. Donc c'est vraiment une insistance faite par le prophète sallam de ne pas délaisser donc cette tradition-là. C'est comme salat, les deux raka'at de la prière de l'Fajr, à titre d'exemple, avant la prière obligatoire,
Ces deux rak'ahs, ces deux rak'ahs ne représentent pas une prière obligatoire. Mais elles sont fortement recommandées dans le sens où le prophète a insisté pour que le croyant ne les abandonne jamais. Ok ? Ça, c'est une chose importante. Il faut savoir que si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, ses parents peuvent, à ce moment-là, faire le sacrifice de la harira en leur nom. La sunna veut que ce soit au bout du 7e jour, pardon, ou bien du 14e, ou bien du 21e. Mais si on dépasse les délais, pour X ou Y raison, il n'y a aucun souci. Soit parce que la personne a oublié, ou elle était insouciante, ou elle était peut-être même ignorante, ou alors parce qu'elle n'avait pas les moyens à ce moment-là. Une fois que c'est possible, le mieux c'est de sacrifier pour cet enfant. En revanche, si l'enfant franchit le cap de la puberté, ce sera à lui de sacrifier pour lui-même. Ça c'est l'avis de plusieurs savants anciens qui disent qu'il doit sacrifier pour lui-même. Là c'est lui qui devient responsable du sacrifice lié à sa naissance, ce ne sont plus ses parents. Donc ça c'était un point très important que je tenais à souligner par rapport à cette question, Inch'Allah. Est-il vrai que l'époux est en droit de sortir de chez lui, de son domicile, sans prévenir son épouse? Ça, c'est une allégation, je ne parlerai même pas d'argument, c'est une allégation que l'on entend souvent chez certains frères qui disent à leurs époux « je n'ai pas de compte à te rendre ». Ça n'a rien de religieux. Ça, c'est du pur machisme. C'est du pur machisme. Je rappelle à ces frères qui agissent ainsi, je leur rappelle que s'ils veulent agir ainsi, mieux vaut pour eux qu'ils restent célibataires. Là, s'ils sont célibataires, ils rentrent et sortent comme ils veulent et quand ils veulent. Mais à partir du moment où ils sont mariés, le respect dû à l'épouse suggère que si l'époux sort de chez lui pour l'une ou l'autre activité, qu'il puisse quand même prévenir, avertir son épouse. Cela fait partie de l'mu'ashara bil ma'ruf, cette convivialité qui doit exister entre les deux conjoints et sur laquelle le Saint-Coran a insisté, comme il est indiqué dans la sourate les femmes, sourate al-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Donc, entretenez des relations conviviales avec vos épouses. Et bien sûr, ça va aussi en sens inverse. Les époux également se doivent d'avoir cette convivialité. Et cette façon d'agir aussi fait partie des nobles caractères, makarim al-akhlaq, des bonnes mœurs si vous voulez, ou de la bonne conduite morale. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait justement l'exemple de lui-même, il dit « Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli ». Le meilleur d'entre vous est celui qui a la meilleure conduite et la meilleure moralité envers sa famille. Et je suis, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la meilleure moralité et qui observe la meilleure conduite envers son épouse. Donc en résumé, nous dirons à ses frères et à cette sœur également, ou à ses sœurs, que le mari se doit de prévenir, se doit d'avertir et d'aviser son épouse s'il sort ou s'il voyage. À ce que je sache, on n'a pas affaire à deux célibataires qui vivent sous un même toit. Le mariage ne se résume pas à un acte religieux avec échange de consentement ou un socle de droits et de devoirs, c'est réciproque, c'est dans les deux sens, et ça fait partie, je le rappelle, de la bonne conduite, donc de la bonne moralité et de la bonne convivialité que les deux conjoints se doivent d'avoir entre eux, Inch'Allah ta'ala, de façon mutuelle et réciproque. Donc c'est tout à fait macho, ça n'a rien à voir avec les prescriptions religieuses. En raison de l'hospitalisation de son père, une personne peut-elle célébrer la fête de mariage, repas entre parenthèses, avec les amis et connaissances, ou seulement avec sa famille, par respect pour son père? Alors, d'abord on doit définir qu'est-ce qu'on entend par fêter le mariage. Puisqu'en parenthèse, il est indiqué repas. Est-ce l'acte de mariage, donc la célébration de l'union, ou est-ce la fête, la fête que l'on organise, que ce soit le jour même ou plus tard ou des mois plus tard, afin d'annoncer aux gens qu'un tel et une telle se sont mariés. Dans l'absolu, il est toujours mieux que le papa soit là, c'est clair. Mais il est vrai que s'il y a difficulté, l'acte de mariage islamique peut toujours se faire sans la présence du père à partir du moment où il délègue son pouvoir en tant que tuteur légal de sa fille. Il le délègue à
par exemple à l'un de ses fils ou à son frère, donc ou l'oncle de la fille par exemple, en fonction des personnes disponibles, ce serait quand même meilleur, Inch'Allah Ta'ala. Ça c'est le minimum. Sinon l'idéal c'est que le père soit présent au moment de cette cérémonie qui est très importante. En revanche, pour ce qui est de la fête, là je pense qu'il est meilleur que le père soit là. Certains demandent, disent, oui, mais est-ce que je peux, par exemple, célébrer la fête, donc pas l'union, mais la fête qui vient après, mais en petit comité, pas une grande fête, mais en petit comité, vu que, par respect pour notre père qui est à l'hôpital. En fait, rien n'empêche de le faire. Ça, c'est bon, ça tombe dans le bon sens. Rien n'empêche de le faire. Il faut tout simplement voir ce qui est mieux et le meilleur en fonction de la concertation avec la maman, avec les proches, avec le papa aussi. Si bien entendu le père est lucide et tout à fait capable d'être l'objet d'une concertation. Je précise ce point-là parce que quelquefois, il est plus tardé qu'un père soit dans le coma ou dans une situation critique au niveau de sa santé, qui n'est pas capable d'interagir avec ses proches et ses enfants. Là, c'est clair que ce seront aux enfants et à la maman de décider entre eux ce qu'ils voudraient faire par rapport à cette fête. Donc, tout dépend de la situation en réalité. Ça, c'est pour ce qui est de la troisième question. La quatrième question, une sœur s'interroge. Son mari ne lui a jamais remis sa dot. Une telle situation affecte-t-elle leur mariage? La réponse à la question est non. Le mariage n'est pas affecté par l'absence de dot, parce qu'il faut rappeler que la dot est une condition, ou plutôt une obligation, pardon, c'est une obligation du mariage et pas une condition de validité du mariage. Il y a une différence entre les deux. Donc c'est une obligation du mariage, ce qui signifie que si le mariage se fait sans cette obligation, ben le mariage, inshallah, islamique reste valide. Ce qui n'est pas le cas pour une condition. Si la condition n'est pas là, le mariage ne compte pas. Ok? Et de ce fait, ici, cela reste une dette à l'actif de l'époux qui se devra de remettre cette dot dès que possible, inshallah, à son épouse. Ça, c'est pour ce qui est de cette question. Donc, le mariage ne se retrouve pas du tout affecté. Alors, cinquième question, comment peut-on comprendre que certains savants ne se soient jamais mariés alors que le prophète sallam incite au mariage et le considère même comme une sunna ou comme sa sunna? Le frère ou la sœur qui pose la question fait probablement référence au récit de ces hommes qui sont venus voir le prophète sallam. L'un d'entre eux disait, moi je jeûne et je ne mange pas. L'autre dit, moi je prie, je ne dors pas. Le troisième dit, moi je fais le choix d'observer le célibat, de ne pas me marier. Et le prophète, ayant entendu cela, a corrigé l'attitude de ces trois hommes, de ces trois compagnons, disant, quant à moi, ça c'est le prophète qui parle, sallam, et c'est rapporté par le Bukhari aussi, mais dit, quant à moi, je prie, je dors, je jeûne et je mange, et je me marie. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Donc le frère ou la sœur fait probablement référence à ça. Alors comment expliquer le fait qu'il y a dans l'histoire de l'islam encore aujourd'hui des savants qui ne se sont jamais mariés et qui sont morts célibataires? Comment expliquer ça alors que le prophète nous incite donc à nous marier? D'abord, il faut savoir que ce choix opté par ces savants, c'est un choix personnel. Ce n'est pas un choix à travers lequel ils incitent les autres, leurs fidèles, leurs élèves et disciples, à prendre exemple sur eux. Ça, c'est le premier élément de réponse qu'on peut donner à cette question. Le deuxième élément de réponse, c'est que ces savants qui ont choisi de ne pas se marier, ces savants et savantes, parce qu'il y a aussi des femmes, qui ont choisi de ne pas se marier, ils ne l'ont pas fait par adoration. Ils l'ont fait parce que pour eux, leur investissement dans le ilm, dans le savoir ou dans l'ibada, ils estimaient qu'ils ne pouvaient pas le concilier avec le mariage. Ils ne pouvaient pas le concilier avec le mariage. Ils se montreraient probablement incapables de concilier les deux. Donc ils ont fait un sacrifice et un choix de s'investir dans le savoir, dans sa transmission, dans sa promotion, de s'investir aussi dans l'adoration,
et au détriment du mariage. Ce sont des choix personnels qui n'ont rien de religieux. D'ailleurs, il y a un savant contemporain qui est décédé maintenant, rahimahullah. C'est un très grand savant de notre temps, en tout cas du XXe siècle. Il est décédé. Il est décédé en 1997, si j'ai bonne mémoire. C'est le cheikh Abdelfattah Abourouda, c'est un savant syrien. Le cheikh Abdelfattah Abourouda, rahimahullah, avait écrit un très beau livre sur cette situation de savants qui ne se sont jamais mariés. Il l'a appelé Al-Ulama Al-Uzzab, Al-Ladhina Atharul Ilm Al-Zawaj. Les savants célibataires qui ont privilégié le savoir au détriment du mariage. Et il a cité un nombre important de savants, hommes et femmes, qui ont fait ce choix tout à fait personnel, qui n'a rien de religieux, qui ont fait ce choix de ne pas se marier. Je vais donner quelques exemples de ces savants. L'imam Nawawi, par exemple, ne s'est jamais marié. Il est resté célibataire jusqu'à sa mort. Ibn Taymiyyah, la même chose. Un savant d'Irak, de l'école Shafirite, qui s'appelait Al-Khatil Bardadi. C'est un grand savant du hadith, c'est un grand juriste aussi, faqih. Lui aussi ne s'est jamais marié. On a aussi une femme, Karima Al-Mirwaziya, qui a vécu, qui est originaire de. Elle est du côté de l'Iran, mais elle a vécu à la Mecque. Elle a vécu à la Mecque. Et elle ne s'est jamais mariée, c'était une grande spécialiste du hadith. Elle ne s'est jamais mariée, elle est décédée, elle avait plus de 100 ans. Ce sont là quelques exemples, et d'autres, hein, quelques exemples. Et ce livre, malheureusement, n'a pas été traduit en français. J'espère qu'un jour il le sera. Ça permettra de découvrir un peu la biographie de ces savants et quelquefois les raisons qui les ont motivés à ne pas se marier. Certaines raisons sont connues et sont explicites, d'autres non, mais ces raisons qui sont implicites, on les connaît de par le vécu des personnes. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Donc l'attitude de ces savants, bien sûr, n'abroge nullement cette sunna recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier. Ça c'était pour la cinquième question. La sixième, je dirige la prière avec ma femme, puis je réalise à la fin que je n'avais pas mes ablutions. Dois-je recommencer ma prière? Et ma femme aussi? C'est une très bonne question. Alors, commençons depuis le début. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans Sahih al-Bukhari Muslim, il dit « La yaqbalu Allahu salat ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda » Dieu n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc les ablutions figurent au nombre des conditions requises et demandées pour pouvoir accomplir et célébrer la prière. Pour ce qui est de ce frère qui a prié avec son épouse, en compagnie de son épouse et qui a remarqué après qu'il n'avait pas ses ablutions, il ne devra que lui seul, se devra de recommencer sa prière et de recommencer sa prière, de refaire ses ablutions bien sûr et de recommencer sa prière. Son épouse n'est pas concernée parce que son épouse, elle a prié en étant en état d'ablution. C'est lui qui est concerné par cet oubli. Voilà ce qu'il convient de dire à ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. Nous cheminons vers la septième question. Est-il permis islamiquement de ne pas voir son mari pour de nombreuses raisons? Commençons par rappeler que l'un des objectifs du mariage, c'est la vie commune. Dans le Saint-Coran, le Seigneur dit, dans la sourate les Romains, sourate Ar-Rum, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, parmi les signes de Dieu, أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, il a créé pour vous, de vous, pour vous des épouses. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous trouviez quiétude d'apaisement auprès d'elle. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, et il a fait qu'il y ait entre vous الْمَوَدَّةَ, qui est la bonté, l'affection, et الرحمة, la clémence. Le mariage, donc, prévoit une vie commune et pas que chacun soit séparé de son côté. Les séparations peuvent être momentanées, provisoires, ça c'est tout à fait concevable, à condition qu'elles soient limitées dans le temps. Une séparation, on peut l'imaginer par exemple, un couple s'est marié, mais ils ne se sont pas encore mis en ménage. Pourquoi? Parce que l'épouse vit encore chez ses parents
et le frère également chez ses parents ou seul par exemple. À ce moment-là, vu qu'ils sont en train de planifier pour s'installer et emménager, cette période paraît tout à fait raisonnable. À eux de décider la période tant que celle-ci n'est pas trop longue. Parce qu'au plus elle est longue, au plus les frictions commencent à pointer à l'horizon. La séparation peut aussi être justifiée pour des raisons professionnelles. Un époux qui voyage souvent pour le travail, il peut être parti pour plusieurs jours, voire quelques semaines. On peut aussi comprendre. Mais de nouveau, ces époux doivent trouver absolument une solution. Parce que cette formule de séparation risque d'affecter leur relation conjugale et sur le long terme, elle n'est pas viable. Il se doit absolument trouver une solution, Inch'Allah, pour qu'ils aient une vie commune, continue et permanente. Huitième question. Suis-je obligé d'accepter de vivre dans la même maison que ma belle-mère? D'abord, pour commencer, toute sœur et tout frère qui décident de se marier se doivent tous les deux, ils seront amenés tous les deux à se montrer très clairs depuis le début. Parce qu'il arrive hélas que certains frères ne disent rien à leurs futures épouses. Et ce n'est que lorsque ils se marient qu'il annonce à son épouse, écoute, on va habiter chez mes parents, donc au-dessus de chez mes parents, pour un petit temps. Après, bon, ce petit temps, quelquefois, il tire en longueur, quelquefois, c'est un vrai petit temps. Mais là n'est pas le problème. Il faut pouvoir laisser le choix à l'épouse depuis le début. Certains frères trouvent ça logique, pour eux cela va de soi, qu'ils puissent vivre avec ses parents. Et donc il se dit, je n'ai pas à poser ça comme condition à ma future épouse lors de la muqabala, l'entrevue. D'accord ? Lorsqu'ils échangent pour la première fois pour voir s'ils s'accordent sur un futur projet de mariage, certains frères se disent, mais je n'ai pas à mettre ça comme condition parce que ça va de soi. En réalité, ça ne va pas de soi. Cela ne va pas de soi. Parce que ça peut créer beaucoup de conflits. Je connais des familles, effectivement, des couples qui vivent dans la même maison que la belle-famille ou que les beaux-parents, et ça se passe très très bien, alhamdoulilah. Mais il y a d'autres situations, malheureusement elles sont nombreuses, je ne dis pas qu'elles sont majoritaires, elles sont nombreuses, où il y a de nombreux conflits. Et surtout que l'époque a changé, dans nos pays d'origine, au Maroc et ailleurs, et même là-bas ça commence à changer dans les grandes villes, mais ça se faisait naturellement. Généralement, c'est des grandes maisons. Et souvent, les enfants mariés vivaient dans la même maison que les parents. Les choses dans les grandes villes, au Maroc et ailleurs, tendent à changer depuis quand même plusieurs décennies, parce qu'on a un phénomène d'autonomisation des familles, je dirais même d'individualisation des familles. C'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est bien parce que ça crée moins de conflits, moins de tensions, ça donne un peu plus de liberté à l'épouse de pouvoir se retrouver seule avec son mari et ses enfants, ça c'est très bien. Mais ce n'est pas bien non plus parce que c'est parmi les effets négatifs, parce que ça fragilise aussi les liens familiaux. Attention, je ne dis pas qu'il faut pousser les familles à se retrouver tous dans une même maison. Ici, je pense que c'est très difficile à faire et je ne pense pas que ce soit recommandé. Mais on voit que la structure familiale musulmane a subi beaucoup de mutations durant ces 40 dernières années. Et elle s'est même retrouvée quelque peu fragilisée. Il y a beaucoup d'exemples, et peut-être dans d'autres lives, Inch'Allah, j'en parlerai sans aucun problème, Inch'Allah. Donc là où je veux en venir, c'est que il y a possibilité, si l'épouse est d'accord, si ça ne crée pas de conflit, et si l'épouse marque son accord, ben elle doit assumer. Mais en même temps, il faut toujours se donner, et surtout les époux doivent se donner une marge de manœuvre. Parce que l'épouse peut dire oui aujourd'hui, et qu'avec les mois, peut-être, Allah a'lam, que certaines tensions se mettent en place entre elle et sa belle-mère,
parce qu'ils ne sont pas de la même génération, parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes repères culturels, les mêmes habitudes. Et ça peut créer des frictions et le mari se retrouve au milieu et ça fait beaucoup de tensions. Là, c'est au mari d'être intelligent et de trouver une solution. On ne lui demande surtout pas de choisir entre sa mère et son épouse. Ce n'est pas demandé. On lui dit tout simplement d'apprendre à faire la part des choses. Sa mère reste sa mère et son épouse reste son épouse. Mais chacun a une place et un rôle bien défini. On ne confond pas les genres, comme on dit. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Neuvième question, y a-t-il une modalité particulière préconisée ou recommandée en vue de remettre la dot? Non. La dot, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est une obligation. Le Seigneur dans le Coran Karim, dans la sourate, les femmes disent « Ou'atun nisa sadoqatihinna nihla » donner aux épouses leur dot de bonne grâce. Donc c'est une obligation, je le rappelle. Mais la sunna, je suis un peu malade aujourd'hui, excusez-moi. La sunna et la tradition prophétique et la loi musulmane de manière générale n'a pas défini de modalité. Donc c'est laissé à l'usage. Il y a différents usages, il y a certains qui donnent une partie de la dot et donnent le reste plus tard. Il y en a qui se mettent d'accord avec leur épouse et le beau-père pour la donner plus tard, donc la donne dans son entièreté plus tard. Il n'y a pas de règle là-dessus. Ce qui est certain, c'est que la dot doit être donnée et cela reste une dette à l'actif de l'époux. Et si la dot n'a pas été du tout fixée, il y a eu des cas comme ça où la dot n'a jamais été abordée ni avec l'épouse ni avec le père de l'épouse et que les années sont passées, qu'ils n'en ont jamais parlé. Ce n'est que plus tard qu'ils ont découvert qu'il fallait normalement donner une dot. À ce moment-là, il faudra faire en sorte l'époux et l'épouse peuvent entre eux s'arranger sur une dot sur laquelle ils s'accorderont et que l'époux devra donner. D'accord ? Là, à ce moment-là, ce sera l'époux qui propose et la femme qui dispose. C'est comme ça que ça marchera. Donc lui propose et elle dispose. Et là, c'est une dette à son actif. Une fois qu'elle est fixée, même des années plus tard, il devra la donner. Mais leur mariage, lui, n'est pas affecté, comme je l'ai dit là tout à l'heure, il n'est pas affecté par l'absence de la remise de la dot. Voilà, chose importante à souligner. Il y a d'autres usages, je ne vais pas en parler parce que, bon, en tant que communauté marocaine maghrébine, on n'est pas vraiment affecté par ça. C'est plus les gens d'Orient qui ont d'autres usages liés à la dot, là n'est pas le sujet. Alors, j'en arrive, Inch'Allah, à ma dernière question. Qu'en est-il du fait de jurer sur le Coran tout en sachant que c'est un mensonge? Alors là, c'est vrai que la situation paraît quelque peu corsée. Alors, on va commencer depuis le début. Commençons depuis le commencement, comme on dit. Toute personne qui est amenée à jurer ne doit jurer que par Dieu, que par Allah Azzawajal. Elle peut jurer par le Coran Karim. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un attribut divin. Il n'y a pas de problème. Mais l'autre condition, c'est qu'elle ne jure que sur une chose qui est vraie et dont elle en a, ou du moins elle en a la certitude. Sinon, elle se tait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par le Bukhari, من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Celui qui est amené à jurer, qu'il jure par Dieu ou qu'il se taise. Ça, c'est les deux premiers points, les deux premiers éléments de réponse que je souhaiterais donner ou apporter par rapport à cette question. Le troisième élément, c'est qu'on ne jure que si nous y sommes contraints. Sinon, on évite de jurer. Il y a des gens qui jurent pour un oui, pour un non. Je ne parle pas du fait de jurer qui est plus de l'ordre du langage. D'accord? Il y a des gens qui, par exemple, ils discutent avec son ami et puis ils disent « Wallah, t'as raison ». Non, ça n'a rien à voir. Nous, en fait, ici, il s'agit de jurer en prenant Dieu pour témoin de quelque chose. D'accord? Pas le fait de jurer et qui entre un peu dans l'usage, dans l'expression usagère. Ce n'est pas dans ce sens-là. D'accord? Là, on doit bien s'entendre là-dessus. Dernier élément, jurer, si nous y sommes contraints tout en mentant, est un acte gravissime, est un acte immoral gravissime. Il n'est permis qu'en cas de nécessité. Et cette nécessité, c'est s'il y a danger pour soi-même. Nous avons le récit rapporté par Abu Daoud,
de ce compagnon Souayd ibn Handala, qui part avec un autre compagnon du nom de Wa'il ibn Hujur, ils partent en voyage. Et sur le chemin, ils sont accostés par une bande. Alors au moment où la bande voulait s'en prendre au compagnon Wa'il ibn Hujur, que fait le compagnon Souayd ibn Handala? Il leur dit, cet homme, c'est mon frère. Et il jure, il dit, Wallah, c'est mon frère. Et ils les ont laissés tranquilles. Alors, lorsque le prophète sallam a su ce qui leur est arrivé, parce que ce compagnon, lorsqu'il a juré sur une chose fausse, parce que ce n'est pas son vrai frère, lorsque ce compagnon est revenu chez le prophète sallam, il lui a fait part de ce qui leur est arrivé, le prophète lui dit, Sadaqta, tu as dit vrai, wa huwa akhuk. Et c'est ton frère. En fait, c'est ton frère dans la foi. D'accord. Donc, ce sont les quelques éléments que je tenais à souligner. On ne jure pas pour une chose mensongère. C'est un acte immoral gravissime. Parce qu'on prend Dieu pour témoin, alors qu'on sait que Dieu sait que c'est faux. Mais on le prend quand même pour témoin d'un mensonge qu'on est en train de proférer. Et ça s'inscrit aussi dans le faux témoignage. Shahadat zour. Acte aussi gravissime. Et ces personnes-là qui passent leur temps à jurer de manière mensongère, ces personnes-là risquent gros dans l'autre vie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque, dans un hadith rapporté par Muslim, il nous évoque certaines catégories de personnes qui, le jour de la résurrection, Allah azza wa jalla ne les regardera pas, ne leur parlera pas et ne les honorera pas. Et parmi ces personnes, il y en a une, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle jurait de manière mensongère pouvoir écouler ses marchandises. Wal munfiq sil'atahu bil halif al kadhib, dit le prophète sallam. Et celui parmi ces personnes, parmi ces personnes qu'Allah azza wa jalla ne prêtera aucune considération dans l'autre vie, il y a celle qui jure de façon mensongère pour faire écouler sa marchandise ou ses marchandises. Donc, les qualités ou les mérites ou les attributs qu'elle prête à ses marchandises sont mensongères. Tout ça pour vendre ses produits. Ça, c'est. Et elle jure en même temps. Ça, c'est déjà ne pas jurer et mentir en vendant sa marchandise, c'est grave. Mais en plus de cela, prendre Dieu pour témoin de ce mensonge, c'est encore plus grave. Donc, voilà ce que je tenais à dire par rapport au fait de jurer. On ne jure que si on y est contraint. Sinon, on évite de jurer. D'accord ? On ne jure que sur des choses vraies. Et si nous devions jurer donc au nom de Dieu de façon mensongère, ce n'est possible que s'il y a danger. Danger de vie pour soi-même. Sinon, on ne le fait pas. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette question. Et c'est ici que se termine, Inch'Allah, mon intervention d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain vendredi. Barakallahu fikoum à tous et tous. Je vous souhaite une agréable soirée. Et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.